donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de la Halo Legendary Crate. Alors c'est quoi ce truc? Ben, tout simplement c'est une box, comme la Xbox, la Woodbox, etc. Et les Loot Crate, en fait, ils ont fait un partenariat avec 343 Industries, donc l'éditeur de Halo, et du coup ça donne cette box spécifique donc Halo, donc avec les licences officielles, etc. Donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà au niveau packaging, bah, c'est déjà très propre, donc on a vraiment quelque chose de clean. En dessous c'est mon adresse, donc c'est pas vraiment intéressant. Vous voyez, donc 343 Industries et Loot Crate. Donc c'est une Halo Legendary Box. Donc c'est un produit qui vient tous les 2 mois environ, donc c'est pas très régulier, mais c'est vraiment j'espère que c'est des bons produits en tout cas. Je vais découvrir ça en même temps que vous, donc on va juste, je vais vous dézoomer ça, peut-être comme ça, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Donc on va tout de suite l'ouvrir. Donc j'ai juste permis donc d'enlever ce scotch là. Donc je me suis juste permis donc de couper cet adhésif là. Donc on va l'ouvrir. Donc déjà on a quelque chose de très propre au niveau du packaging, hein, c'est déjà très beau, juste ça c'est déjà super classe. Et là qu'est-ce qu'on a? On a un des documents donc, de l'UNSC, donc c'est tout ça, United Action Space Command, donc c'est l'unité donc, dont on fait partie, hein, tout. Donc top secret, etc. Donc on va laisser ça de côté pour l'instant. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quoi? On a un t-shirt. Voilà, on a un t-shirt. Orbital Drop Vest. Donc c'est quoi ça en fait? C'est des capsules en fait dans lesquelles les soldats sont envoyés sur les terrains, donc pendant l'action, en pleine bataille. On a... J'avais jamais vu ça avant. C'est quoi ce truc? Ah ouais, donc c'est une petite épingle. Voilà, donc vraiment très très clean. Vraiment très beau, on a vraiment quelque chose de très beau. Ça fait classe. Halo Legendary, donc pareil. Et puis derrière, on aura juste à venir remettre ce truc là-dessus. Pour éviter de se péter un doigt, parce que c'est quand même une broche, hein. C'est quand même quelque chose d'assez, assez costaud. Ensuite, on a donc le screenshot. Donc Collect and Connect, Swap Heroes. D'accord, donc qu'est-ce que c'est que ce truc? A few moments later. Même les... Je vais enlever le... Donc je vais enlever le petit adhésif. Donc même là, on se rend compte que ça reste quand même quelque chose de très très clean. Hein. C'est une très belle petite boîte, sympa. Ok. Donc par contre, hein, Loot Crate, c'est principalement américain. Donc c'est pas quelque chose qu'on va aller dans un magasin. Là. Tiens, je voudrais une Halo Legendary Crate. C'est quelque chose qu'il faut commander directement sur leur site. On va voir ça tout de suite, c'est une belle petite figurine, sympa. Ah ouais, sympa ça. Donc on va se l'ouvrir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au niveau de mon bureau, je trouve ça vachement cool. Donc on va l'enlever. Donc on parlait justement avant de la nacelle, donc du t-shirt. Donc Halo avec la nacelle, bah, c'est tout simplement ça. On va l'enlever tranquillement. Donc on nous a dit qu'il faut venir directement le plugger dedans. Et là on voit le fameux Loot Crate. Donc je vous ferai après des plans un petit peu plus rapprochés. Mais vous voyez déjà c'est très très classe. C'est vraiment beau. Après il faut être fan d'Halo, hein. C'est toujours pareil. Hein. On va pas prendre une box d'Halo si vous ne préférez pas l'autre. Hein. C'est un peu cool. Mais en tout cas c'est bien sympa. Comparé à la high-tech box où il y a juste des petites figurines que tout le monde s'attend, etc. Là, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu spécial. On a notre truc là-dedans. C'est quoi ça? Ah ouais. Donc, c'est des packs de réquisition pour Halo 5. Derrière ce paquet, je vais vous le mettre en vidéo parce que voilà. Mais derrière, vous avez un code et du coup, ça vous donne des réquisitions. Donc, c'est vachement téléchargement d'éléments du jeu à partir du marché Xbox. Vous voyez ici. Téléchargement d'éléments de jeu par dessus, donc c'est sympa. Puisque en fait, faut savoir que quand maintenant vous prenez, vous liez votre Loot Crate Box, donc la Legendary, à votre compte Microsoft, donc votre gamertag, vous avez des réquisitions et des emblèmes et tout qui sont uniques en fait, que vous pouvez pas avoir autrement.
Ensuite, c'est quoi ce truc? Déjà, non. Un tube en carton officiel Halo. exprès fait pour les Covenants. En fait, ils ont peur. On présente ce tube et ils ont totalement peur. Ils sont totalement fous, ces Covenants. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Forcément un poster, hein, ça c'était certain. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, on nous présente les différents produits dedans. Et on a en même temps une magnifique scène d'Halo que je vous montrerai après. Très bien étalé. Donc on a un petit poster sympa et il nous reste... Oula, c'est pas le bon truc. Petites attaches qu'on va pouvoir donc coller sur une seule surface, se déposer sur l'autre et on va faire pareil donc pour cet emblème ODST. Donc vraiment excellent. Hein. Super qualité, en plus on voit vraiment que le scratch c'est pas non plus de la merde. Hein. C'est vraiment du costaud. Donc voilà, sympa. Et il nous reste ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Waouh. Là, je vais reculer la cam. Pour vraiment vous montrer. En fait, c'est un pantalon. C'est complètement dingue. Donc, on voit Loot Crate exclusif. Et on voit justement donc... Feet First Into Hell avec toujours l'emblème ODST, donc vraiment classe. C'est un petit jogging sympa. Il a pas l'air trop mal. Donc fabriqué par, donc on voit en même temps à l'intérieur, il y a vraiment ce partenariat, hein. Halo 2016 Microsoft Corporation, donc vraiment un produit officiel Halo. Tout simplement, on a même le jogging Halo. Vraiment un truc de folie ce jeu. Donc, Halo Legendary Crate. Donc, très très classe. Donc, je vais vous mettre les différents produits et en place, histoire que vous puissiez le voir un petit peu plus simplement. Et je vous dis à tout de suite. Ok les gens, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. En tout cas moi j'ai vraiment kiffé faire cet unboxing de ces trucs parce que c'est vraiment incroyable. Hein. C'est la qualité de cette box comparée à la high-tech box. La high-tech box c'est vraiment, ça se voit que c'est du kikou. Là c'est vraiment un autre niveau. Donc chez Loot Crate, pareil je vais voir s'il y a d'autres box éventuellement intéressantes, ça pourrait être cool. Surtout s'ils font une box de Noël, pourquoi pas éventuellement faire une box de Noël, ça pourrait être sympa. Vous présentez ça, en tout cas, moi j'ai bien kiffé en tout cas, et comme dit, hein, on se retrouve très vite pour d'autres contenus. Alors si cette vidéo t'a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours super plaisir et parce que ça prouve que ce que je fais, c'est plus intéressant qu'un tube de carton qui tape une boîte. Ou pas. N'oubliez pas donc de t'abonner aussi parce que les vidéos qui vont suivre, elles seront tellement magistrales. C'est-à-dire là, c'est un début, tu vois, là, c'est vidéo 4K, tout ça, mais c'est de loin pas fini. Ensuite, pensez à m'ajouter aussi sur la One, bientôt sur PC, et une autre nouvelle hein, qui va arriver, mais très vite. Quand je dis vite, c'est vite, c'est plus vite que vite en fait, c'est trop vite. Voilà. Et n'oublie pas que le morceau de carton dans Halo Legendary Crate contre les Covenants, c'est d'une violence. En tout cas, merci à tous, portez-vous bien, et moi je vous dis, vive Halo.